applaudissements, s'il vous plaît. Nous allons acclamer ton Seigneur. Merci, le bon. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Nous allons acclamer plus fort le Seigneur. Alléluia. C'est le but pour lequel nous sommes là ce soir. Fais s'accomplir ta volonté. Je m'abandonne dans les cœurs de ta main. Merci parce que tu es Dieu. Que tu nous réunis ensemble ce soir parce que tu as quelque chose de particulier à faire. Et nous sommes réjouis parce que nous t'aimons. C'est parce que nous t'aimons que nous sommes en ta présence. C'est parce que nous t'aimons que nous croyons que tu peux encore nous guérir. Nous t'aimons, nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu ne changes pas. Nous savons que tu es le maître de l'univers. Tu es l'auteur de la guérison. C'est toi la guérison et c'est toi le miracle. Nous voulons te rendre toute la gloire. Tu es Seigneur des Seigneurs. Nous te rendons toute la gloire de ce que tu te manifestes encore et de ce que tu agis.
Il est très dangereux. Vous pouvez l'acclamer. Il s'appelle Dédé. Thierry Dédé, il est très dangereux. Il est le meilleur de sa génération. Il est le meilleur en clavier. C'est le pianiste de Feu Capou Séverin. C'est son meilleur pianiste. Il a grandi dans le domaine de chant et tout ça. Je ne m'attendais pas à lui aux États-Unis. On avait prévu d'autres personnes. Et puis il y a un membre du comité qui a dit, bon, ces personnes sont occupées, mais il y a un pianiste de Feu Capou Séverin, il s'appelle Thierry. Est-ce que tu le connais? Il dit, je le connais très bien, il s'appelle Dédé Thierry. Et sa soeur s'appelle Georgina. Et puis là, c'est lui qui accompagnait Capou Séverin dans tous ses programmes, que ce soit aux États-Unis, à Londres, à Paris, c'est lui. C'est le meilleur, surtout de conformer le goût trompette. Donc, Onel Mala, surtout de conformer Onel. Tu es mon, ou qui est, on se connaît très bien. Ma voix, aussi qui j'ai inventé ma vie. Toi seul. Yeah.
histoire de Kabo, Père à son âme, nous savons qu'il nous a précédés dans la félicité céleste. C'est une icône. Voilà, il fut une icône, n'est-ce pas, de l'évangile, et nous l'aimons. Voilà. Et nous sommes la relève de l'histoire de Kabo pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. C'est beaucoup de souvenirs quand je te vois. Quand je le vois, c'est beaucoup de souvenirs. C'est beaucoup de souvenirs. On ne se lâche pas quand on se voit. On parle de beaucoup de choses à la fois. Parce que c'est notre histoire. Les gens ne savent pas qui est Crasso. Ils ne savent pas qui est le prophète Crasso. Yeah. Ils savent. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui connaissent mon histoire. Ils sont mieux placés. Ils savent. J'ai le prophète Crasso. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je n'entends pas beaucoup d'amen. Vous ne voulez pas être béni? Je dis, je vous bénis. C'est-à-dire, quand vous dites amen, c'est-à-dire qu'on est d'accord avec ce que tu dis. Mon souhait, c'est que tu sois béni. C'est pas fort. Mon souhait, c'est que tu sois béni. La main n'est pas trop fort. Mon souhait, c'est que tu sois béni. Vous savez ce qu'est Amen béni? Les musulmans, c'est ce qu'on appelle Amen. C'est-à-dire, ainsi soit-il, je suis d'accord avec ce que tu dis. Vous dites béni, qui peut pas être béni? Personne n'accepte la bénédiction. Tout le monde veut être béni. Mon souhait, c'est que tu sois béni. Je suis là ce soir. Pas quelqu'un qui a voulu que je sois là. Parce que Dieu a voulu que je sois là. Vous savez, j'ai dit aux gens, je suis lié par une alliance. Et l'alliance, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. J'ai toujours dit aux gens, quand Dieu me parle, tu n'es pas là quand Dieu me parle. Tu n'as pas oublié de croire. Mais c'est à moi qu'il a parlé. C'est moi qui dois exécuter cette voix. Si je n'exécute pas, j'ai un problème. C'est pas toi. Ce n'est pas toi qui as appelé. Moi, mon travail, c'est de servir Dieu. C'est pour ça que je ne dors pas la nuit. Je prie. J'ai fait le programme de New York. Oh, le dimanche, j'avais trop de monde, tout ça. Et on a commencé à toucher les familles. Et puis le Seigneur a dit, stop, relance le programme. Le dimanche, relance le programme. Et au fur et à mesure que je gênais, parce que j'ai prié pour ça, le Seigneur a commencé à m'expliquer beaucoup de choses que je devais faire, que je n'ai pas fait. Et si je laissais la chose comme ça, ce n'était pas bon pour moi-même et pour mon ministère. Vous comprenez? Donc, j'expliquais ça à certaines personnes. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé de vous faire, de vous aligner à ça. C'est vrai. Mais c'est à moi Dieu a parlé. S'il y a des personnes dans la salle, si j'ai fait le programme, gloire à Dieu, prouvé que le programme ait lieu, Dieu m'a dit, avant de quitter New York, il faut que ce dimanche 16, tu fasses un programme et tu as 3 jours encore pour régler certaines choses. Quand j'ai parlé de ça, c'est vrai qu'il y a un problème de liquidité. Madame Dosso était là, je suis allé régler moi-même ma chambre. 1 600 $, je crois, c'est tout ça, 1 600 $. Moi-même, j'ai réglé ma chambre d'hôtel. J'ai demandé ici, fait combien? On dit 500 $. J'ai réglé moi-même. Parce que ce n'est pas vous, c'est à moi Dieu a parlé. Parce que les gens, ils avaient un problème, non, on n'a plus d'argent. Je leur ai dit, laissez. Je connais Dieu. Dieu, là, il est très bizarre. Moi, je connais sa voix. Toi, tu ne connais pas sa voix. Tu peux ne pas croire. Non, il n'aura pas assez de monde. J'ai dit, je ne suis pas venu à un concert Zouglou. Ce n'est pas un concert Zouglou que je suis venu faire. Pour dire qu'il y a les personnes à la porte. Il y a 15 familles que je dois régler. Il y a l'histoire de 15 familles. Et Dieu m'a rappelé l'histoire d'un jeune homme, un enfant qui était dans la salle ici, dont le bras était occupé pour prendre le cancer. Je n'ai pas pu prier pour lui. Dieu m'a ramené son histoire. Et j'ai rencontré la madame Dosso, j'ai dit, est-ce que tu connais l'enfant? Elle m'a dit, non, je ne vois pas trop. Quand je suis dans la salle tout à l'heure, j'ai demandé, il y a des gens pour lesquels je dois prier. Et j'ai dit, cette histoire de 1 000 $, on va supprimer ça. Parce que c'est vrai que les gens voulaient... On m'invitait, il fallait 1 000 $ pour gérer le séjour du prophète.
Mais c'est fini. Il n'y aura pas ça. Je suis là pour ça. Il faut que j'arrive parce que Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. Si je ne respecte pas ça, c'est moi-même qui suis mort. Vous comprenez? Je suis lié par une obéissance à la voix de Dieu. Sinon, j'ai fini. Je partais tranquillement. J'étais avec tout le monde, on était en train de régler les problèmes de famille. Et puis Dieu me dit stop. Et je l'appelais un matin, il dit non, je ne veux plus, il faut arrêter, non, je reste dans mon coin, silencieux dans mon coin, en train de prier. Il y a des gens, c'est vrai que les gens ont payé mon billet d'avion pour être ici. Mon séjour, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est payant. Mon hôtel où je dois, il donne, c'est de l'argent. Une semaine, ça fait 1 600 $. La salle même, il n'y avait pas d'argent. C'est moi qui ai payé, dit madame, si je ne fais pas ça, c'est moi qui ai un problème. Toi, tu n'as pas de problème. Vous n'avez pas de problème. C'est moi qui ai le problème. Je ne suis pas venu en star ici. Mais il y a beaucoup de personnes que je. Il y a des problèmes que je devais régler, que je n'ai pas réglé à fond. Et donc, on va. Sur cela que je suis resté, j'ai 15 familles à prendre. Et ces 15 familles, on va commencer à partir de demain soir. 5 familles demain soir. Mardi, 5 familles. Mercredi, 5 familles. Ça fait les 15 familles. On va commencer. C'est vrai que l'argent répond à tout. C'est-à-dire, si on doit vous régler, on doit aller régler vos problèmes. Il faut qu'évidemment le prophète ait une voiture. Moi, j'ai ce problème-là. Je n'ai pas de problème de voiture. Donc, c'est vous qui devez vous organiser. Mais exiger maintenant 1 000 $ pour qu'une famille soit visitée, non. Il faut que ça soit réglé. C'est ça que Dieu m'a ramené à l'ordre. Il m'a ramené à ça. Il dit, il faut chercher certaines personnes. Je vois une dame qui est dans la salle ici. On est allé la dernière fois chez elle. Je l'ai vu tout à l'heure, elle était derrière. Ouais. Parce que cette femme, ceux qu'on ne priait pas pour elle, d'ici quelques temps, elle allait mourir. Voilà, donc il faut que... Oui, parce que je ne dois pas partir si les choses ne sont pas réglées. Donc voici la raison pour laquelle le problème a été organisé. Vous comprenez? Voici. Je ne suis pas une star. Je suis serviteur de Dieu. Je suis lié par une alliance d'obéissance. Vous comprenez? Donc ce que Dieu veut, c'est ce que j'ai fait. Il y a d'autres personnes qui ont venu boqueter, qui m'ont appelé, qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. J'ai dit, je suis d'accord avec toi, mais tu ne peux pas m'empêcher de faire ça. C'est-à-dire, toi tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas à toi Dieu a parlé. Non, ce n'est pas à toi il a parlé. Donc c'est raisonnable que tu ne sois pas d'accord. Mais moi, je le ferai. Je le ferai parce que je connais mieux la voix de Dieu que toi. Voilà. Je suis venu ici aux États-Unis parce que je suis prophète. Je ne suis pas venu aux États-Unis ici parce que je suis une star. Je suis venu ici parce que prophète, c'est celui qui entend la voix de Dieu et qui écoute la voix de Dieu. C'est cela que tout à l'heure, on aura l'occasion de vous écouter tout à l'heure. On aura beaucoup de choses à régler. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il y a chaque homme de Dieu a son don. Moi, je sais la grâce qui est sur ma vie. Je connais la voix de Dieu. Je sais comment Dieu me parle. Moi, personnellement, je sais ce que Dieu me dit. Je connais la voix de Dieu. C'est pour ça que je suis resté dans mon hôtel. Que vous voulez ou pas, l'argent qui était sur moi, j'ai payé. J'ai payé ma chambre d'hôtel. Ah, la salle coûte combien? Je n'ai pas fait d'effort. J'ai réglé. Parce que j'ai fini de faire ce que je pouvais faire dans la vie de d'autres personnes. Ils n'ont plus besoin de moi. Elles sont dans leur coin. Mais d'autres personnes, la vie de d'autres personnes a besoin d'être réglée. En temps normal, je partais dans un clamage. Quoi, au clamage, je vais. Au clamage. Je ne connais pas les noms d'ici. Excusez-moi. Moi, je connais Thibault, je connais Iré, je connais Saroko. Au clamage, je ne connais pas. Voilà, au clamage. Pour moi, c'est un plaisir de prendre l'avion. C'est ce qu'il dit aux gens. C'est un plaisir de découvrir les états. Mais quand je bouge, il faut que ça soit dans le plan de Dieu. Vous comprenez? Donc, on est devait partir. Les billets étaient déjà achetés. Les billets étaient achetés. Je pourrais 1 000 €, 1 000 $, 1 000. Pourquoi je suis habitué à l'euro comme ça? Tu vas habiter à l'euro. Voilà, dollars. C'est 1 000 $, 1 000 $, 1 000 $. Et puis, à la veille, j'ai eu un message très fort de Dieu. Moi-même, ça m'a bouleversé. Parce que je ne pouvais pas comprendre que d'ici en quelques jours, en quelques heures, Dieu me dise, ne bouge pas. C'est bizarre.
Dieu m'a dit que je puisse pardon. Car j'ai expliqué, c'est difficile de comprendre. Tout ce qu'on n'a pas dit avant, c'est maintenant qu'il te dit, parce qu'on a payé les prix. Non, ça c'est un raisonnement humain. Oui. Vous savez, il y a des choses souvent, Dieu te met devant certaines choses, tu toi-même qui t'as, tu es embarrassé, tu ne sais pas ce qu'il dit. J'ai dit moi-même, je n'ai pas de mots à dire, mais il me dit qu'il ne faut pas partir. Avion, là, c'est pas moi qui ai fabriqué. Moi-même, là, j'ai peur de monter dans l'avion. C'est la vérité, je vous dis. C'est pas mon camarade. C'est quand il arrive, je fais malin, il prend des photos. Sinon, là-haut, là, j'ai pris son main pour qu'on descende. Je ne suis pas oiseau pour rester en haut. Avion, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Quand ça tombe, il n'y a pas de survivant. Tout le monde est mort. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient, c'est tout. Donc, lui, il me dit qu'il ne faut pas partir. Oh, c'est à deux et prendre, c'est pas voiture. Voiture, moi, tu peux sortir pour courir. Avion. Donc, j'ai réalisé du spray. Moi-même, là, c'est lui qui conduit le voyage. Il dit qu'il ne faut pas y partir. Bon, j'ai peur de dire, mais il faut que je donne le message. Peu importe ce que ça va me coûter. Parce que c'est ça le problème. Hein. Écoutez, ça me rappelle l'histoire de Saül. Ce qui a fait perdre le trône à Saül, Dieu dit à Saül, dans le livre de Samuel, va, tu rentres dans la ville, tu fais la guerre, mais ne touche pas aux animaux, laisse-les tranquilles. Saül, il va, il tue par la force de Dieu, il met tout le pays en sang et tout ça, mais en même temps, il prend les animaux pour offrir ça à l'Éternel. Dieu a dit, mais qui t'a demandé ça? Et Dieu dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça qui est plus important. L'obéissance, là, c'est ça qui est plus important. Je disais ça à quelqu'un qui ne voulait pas comprendre. Je lui ai dit, tu sais, l'onction que j'ai, je suis à Abidjan, je peux avoir une église de 20 000 personnes. 20 000 personnes. À cause de la grâce que tu vois. Je suis à Divo. Tu sais pourquoi je suis à Divo? À cause de l'obéissance. C'est ce que Dieu m'a dit, là. Parce que quand je suis allé d'abord, avant d'être à Divo, j'étais d'abord à Zaroko. Et quand je suis parti d'abord avec ma délégation à Zaroko, mais c'était tous les problèmes. Quand j'aurais expliqué après 3 jours de croisade, c'est comme ça ici. Hein? Quand j'aurais expliqué après 3 jours, Dieu me demandait de rester dans le village 3 mois, n'est pas sorti pour régler le problème du village de Zaroko. Beaucoup m'ont boudé. Hein? Chacun est parti. Parce qu'on s'est là le matin, on a des gales, on a des boutons sur le corps. C'était eau de marigot. Il n'y avait pas d'eau potable. J'ai mon histoire là. Ceux qui sont des Arocos, ils savent ce que je suis en train de dire. Je laisse Abidjan, mon appart, aux deux plateaux où il y a tout le luxe. J'ai ma voiture, je laisse tout ça pour être dans un village. Et un village où on mange chaque jour des gens. C'est la vérité, je vous dis. Parce qu'en 3 mois, j'ai rempli un cimetière. Donc les gens s'attendaient à 3 jours, on finit la croisade et puis on s'en va. J'aurais dit non, il n'y a plus que ça, il y a beaucoup de choses à faire à Zaroko. Et c'était vraiment difficile, ils m'ont boudé, ceux qui voulaient partir sont partis, ceux qui sont restés sont restés. Mais on a fait un travail de fond, on a fait un travail de fond. Et après ça, je me suis retrouvé à Divo, où j'ai pris un appartement, et je partais de Divo à Zaroko. De Divo à Zaroko, ça fait 40 km, je partais à Divo. À Zaroko à 9h du matin, je retournais vers 1h du matin à Divo et je faisais ce va-et-vient jusqu'à ce qu'on mette aujourd'hui un centre de prière à Divo. C'est de Divo aujourd'hui que j'ai fait le tour du monde. Mais c'est parce que j'ai obéi à la voix de Dieu. Sinon, à Abidjan, mes cultes à La Palmas, c'était 3000 personnes qui venaient tous les dimanches soirs assister à mes cultes. J'ai laissé tout ça, oui, dans l'obéissance. Vous savez, j'ai toujours dit à quelqu'un, quand vous marchez avec un homme spirituel, tel qu'un prophète de cette carrure, ce qu'il dit là, alignez-vous. Dieu, c'est parce que vous savez, Dieu, le domaine de Dieu, c'est le domaine de l'armée. C'est-à-dire, quand Dieu te donne les ordres, il ne faut pas discuter, il faut l'obéir sans discuter. Nous, c'est comme ça, nous a formé. On l'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Donc, quand il te donne des ordres, il faut l'obéir. Si tu n'obéis pas à ça, tu vas payer ça. Si tu as fini, tu vas rattraper ça demain. Et pour ne pas que mon ministère prenne un coup, je préfère obéir à la voix de Dieu. Je suis là pour respecter la voix de Dieu. Parce que j'ai senti que le travail que je vais faire n'est pas encore fini. Il fallait continuer le boulot. Amen. C'est pour cela que je suis là.
Comme d'autres personnes ne sont pas convaincues, vous n'êtes pas bougé. C'est moi qui ai pris la responsabilité. Merci déjà pour ceux qui ont cru à la chose, qui se sont mis dedans, que Dieu bénisse. Voilà, franchement, merci. Vous voyez, ce n'était pas facile hein, de convaincre beaucoup de choses autour de moi. Ce n'était pas facile. D'autres même me boudaient, beaucoup de choses. Mais je suis resté serein. Moi, c'est comme ça. La Bible dit, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Je préfère que Dieu soit avec moi, que j'ai l'estime des gens. Non. Au finish, c'est ce que Dieu a décidé qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que je tenais à m'excuser pour les gens de Oklahoma. C'est ça, Oklahoma? Oui. Les gens de Oklahoma sont. Levez-vous. C'est la délégation qui est arrivée de Oklahoma. C'est à Oklahoma. Oklahoma. Que Dieu vous bénisse. Voici même la délégation qui est arrivée. Les voici ce qu'ils sont en train de dire. Les billets étaient déjà achetés depuis 2 semaines avant. C'était déjà payé, pris en compte. Vous comprenez? C'était déjà pris en compte. Je partais pour une croisade. Mais je ne suis pas là pour faire du tourisme. Je suis là pour obéir à la voix de Dieu. Mon ministère, c'est un combat spirituel. C'est le combat spirituel. Je suis le genre de sniper. C'est-à-dire quand ça ne va pas dans une nation, sur le plan spirituel, c'est nous, Dieu nous envoie pour régler certaines choses. Mais je suis lié par une alliance qui est l'obéissance à Dieu. Ça m'a fait mal parce que je vois des gens, personnes en train de dépenser dans un billet d'avion. Et à la veille, vous savez qu'à la veille, déjà avec même des agents, c'est difficile même de négocier. Ça m'a peiné moi personnellement. La preuve, ceux qui chantent de vous dire ici, ce n'est pas des gens qui ont payé mon hôtel. C'est moi-même qui ai payé mon hôtel. Quand j'ai parlé aux gens, je l'ai fait descendre, j'ai dit, allons, j'ai réglé mon hôtel. Je ne suis pas en train de discuter avec quelqu'un. Je viens de dire à quelqu'un, paie mon hôtel, il va pouvoir dire non, c'est pas moi qui ai dit de rester à New York, il faut partir. Et puis, tout ça là, c'est compliqué. Dans moi-même, je suis allé, j'ai réglé, la voici là, j'avais des pieds, j'ai réglé. Tout ce qu'il y avait sur moi, j'ai réglé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai demandé la salle, ça faisait combien, j'ai réglé la salle. On ne vit plus pour nous. C'est parce que les gens ne savent pas qui est Crasso. Peut-être que les gens ne savent pas. Depuis que j'ai connu le Seigneur, moi, l'argent, ce n'est pas un problème pour moi. Peut-être que les gens ne savent pas qui je suis. Moi, l'argent, c'est une utilité. C'est-à-dire qu'on utilise ça pour quelque chose. Moi, je ne fais pas l'argent un problème. C'est vrai que vous n'avez pas besoin de ça. Mais à Abidjan, je m'occupe au moins de 50 familles. Je paye la maison des gens. 50 familles. 50 familles. Je paye la maison. Je m'occupe de 90 veuves. Je m'occupe de 1000 orphelins. Vous avez ça où? J'ai dit une ONG qui se dit des gens. Parce que j'ai compris que ça va de pair. Prêcher Dieu veut dire aider son prochain. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de manger. Ils n'ont pas forcément besoin de prière. La simple nourriture suffit pour qu'ils soient à l'aise. Souvent, les gens viennent dans mon bureau, ils parlent. Quand je lui dis, pardon, tu as faim. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est 10 000 francs, va préparer placalier, pro, crabe, dedans. Tu as mangé, tu as été livré. Et la personne sort de mon bureau, il est délivré de la tête. Alléluia. Vous comprenez donc, l'argent c'est bon. Mais il faudrait aider les gens. Il faudrait les aider. Voilà. Il faudrait les aider. Et moi, l'argent, ce n'est pas un problème. Comme je disais tout à l'heure, je suis lié à une obéissance. Tout à l'heure, on aura l'occasion de régler ça. Les 5 femmes, les 15 familles, me dit Dieu, je dois prier pour vous à partir de demain soir. On va aller 5 familles par soirée. Vous allez peut-être mettre une voiture à ma disposition, mettre le carburant dedans. N'est-ce pas? Hein? C'est ça? Oui. Ouais. On acclame le Seigneur. Parce qu'il a béni en salle. En béni en salle, on écoute. Mais en réalité, il y a certaines choses qui ont besoin d'être réglées chez vous à la maison. Parce qu'il peut y avoir des caméras mystiques, il peut y avoir beaucoup de choses, tout ça. C'est pour ça que nous, en tant que prophètes, c'est l'orientation du Saint-Esprit qui nous intéresse le plus. Voilà, c'est comment Dieu nous oriente, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc le Seigneur aimerait que ça soit comme ça. Et j'ai béni le Seigneur. Ça dit, je pars, après cette rencontre, quand j'ai fini les 15 familles, mon âme sera à l'aise en moi-même. Ça dit, j'ai fini par dire merci parce que j'ai fait ce que je pouvais faire pour toi. Et quand c'est comme ça,
qu'on appelle en anglais les gratification. Hein? Hein? Graduation. Voilà, les graduation dans le Seigneur. Parce que c'est pas facile, hein? De prendre des décisions de ces gens, c'est pas facile parce que c'est tu en force de quelque chose. Et puis c'est bizarre. Et puis c'est quoi on voit bizarre? Mais justement, Dieu me dit pas. Je demande, lui demande, il dit, tout compte fait, tu ne bouges pas. Je n'ai pas d'explication de donner. Et puis je dis, je veux comprendre. Toi aussi. On est ensemble quand même, je veux comprendre. Et puis au fur et à mesure, il m'éclaire sur beaucoup de choses au fur et à mesure. Mais dans un premier temps, il dit, tu ne bouges pas. Et puis attends, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui m'a parlé ou pas? Et puis tu dis, attends, peut-être que je me suis trompé. Il dit, tu ne bouges pas. Et puis tu luttes dans la voix. Tu essaies de parler à quelqu'un, la personne, mais tu ne rassures pas. Il dit, non. C'est pas possible, non, il faut que ça soit fait comme ça. Et puis tu es seul face à cette voix. Et finalement, Dieu te dit, mais c'est moi qui t'a parlé, c'est pas quelqu'un. Tu dois plus aller consulter quelqu'un. C'est moi qui t'a parlé. Donc c'est un peu ça. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Il y a tellement de vilaines choses ici à New York. Il y a tellement de vilaines choses. Plein de choses, il y a tellement de confréries de sorcellerie, il y a tellement de milliers, oui, il y a 3060 confréries de sorcellerie ici à Lyon. Que ce soit les blancs, que ce soit les trucs. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer, même dans les écoles, il y a commencé à avoir un système d'initiation avec les enfants. Même dans la nourriture, il y a commencé à avoir un système. Parce qu'au fur et à mesure, Dieu me m'ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Et quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai commencé à avoir peur. Même les sandwichs, j'ai commencé à avoir peur de manger même les sandwichs. Parce que plein de choses que Dieu me montrait. Frère, le satanisme a pris du terrain ici, à Lyon. C'est-à-dire, aux États-Unis, le satanisme est assis. Satan lui-même, là, il est venu s'asseoir là. Il est assis. C'est cela qu'il faut que Dieu vous protège. Il vous protège, il protège vos enfants. Amen. Parce que même dans les supermarchés, vous partez, c'est vrai, c'est pas mauvais d'acheter. Mais derrière ça, il y a le système de la sorcellerie derrière. Bah, vous allez dire, non, mais c'est très grave. Mais c'est facile. C'est facile d'initier quelqu'un. C'est facile parce que eux, ce que vous ignorez, là, c'est dans ça qu'ils travaillent. Pour vous mettre ou pas. C'est-à-dire pour vous, pour détruire tous vos systèmes. Dans la vie, il faut avoir la révélation, c'est-à-dire des choses de Dieu. Si tu n'as pas la révélation des choses de Dieu, tu vas beau prier, mais c'est zéro. La prière ne suffit pas. Tu pries, mais il faut que Dieu t'éclaire. Tu vas quelque part, tu vas comment? Là où tu parles, tu démarches avec qui? Tu parles avec qui? Tu manges quoi? Tu parles avec qui? Vous-même, vous le savez, comment le péché est en train de prendre le terrain ici, en cascade. Vous le savez? Amen. Amen. Que Dieu nous aide. C'est ça que chacun d'entre nous a besoin d'être protégé contre le système de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est lancer le sort. C'est lancer le sort. Il y a beaucoup de choses que le diable est en train de faire pour détruire vos vies. Il détruit vos vies. Il détruit vos finances. Il détruit beaucoup de choses à la fois. Et c'est tout ça que nous allons régler ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier spécialement ce soir. Et je vais prendre vos mains, comme Dieu me l'a demandé ce soir. Je vais prier spécialement pour votre finance. Amen. Aujourd'hui, amen. Je vais faire l'accent là-dessus tout à l'heure. Amen. Je vais prier pour que ton argent reste. Amen. Et Dieu me l'a demandé. Amen. Je vais descendre un peu. Ça vous va? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne suis pas allé au Canada parce que j'ai reporté parce que je n'étais pas convaincu de partir au Canada. J'ai dû rassurer. Il y a des Canadiens qui sont venus, la sœur, oui, les deux. Levez-vous. Je vous ai comme ça, la sœur. Il faut que vous venez au Canada. Merci. Tu arrives à 15h? Tu m'as ton vol 16h? Elle est là depuis hier, c'est ça? Oui. Parti. C'est là, voilà. Tu as béni?
Vous voyez, donc je partais recevoir toute une délégation au Canada. C'est tout un monde. J'ai su rassurer les gens, ils me boudaient. Je leur ai dit, est-ce que vous aimez vos papas? On t'aime vraiment, tu nous as mis dans les problèmes. C'est faux ce que vous dites, hein? Attends. La chose la plus bizarre, c'est Dieu. Vous savez, Dieu est très bizarre. Ok. Parce que, tu sais, vous savez, les Canadiens, mon premier voiture, j'ai vu. Ici dans le Canada, vous prenez une voiture, j'ai dit stop. Faut reporter, voici, voici, voici. C'est ça la différence entre vous, les pasteurs. Le pasteur, il fait un programme. Nous, on, les petits détails, on tient compte des petits, petits détails. Même à la dernière minute, à la dernière seconde, on n'est pas encore rassuré du voyage. Parce qu'on peut même payer non. Et quand c'est le tout, moi j'ai fait mes culs. Je n'ai arrivé même pas près du portail, et puis je m'en vais. Mais les gens ont compris, ceux qui sont autour de moi, j'ai déjà préparé ma maison. Mais ma maison à Abidjan, ma maison à Divo, à l'église, ils savent. Ils savent que je ne suis plus un homme ordinaire, je suis un homme, je suis devenu comme un homme esprit. J'étais là une nuit, je dormais, et puis j'ai vu, c'est parce qu'ils avaient vu le chat, parce que moi je pris beaucoup les nuits. Il y a une dame qu'on avait, une jeune fille qu'on avait mis la main ciel, elle est sorcière. On a mis la main ciel. Et comme elle était dans notre camp de prière, toute la délégation des sorciers grillés est venue embouter le prophète. Donc ils ont envoyé un chat. Or, le pouvoir du chat est le plus dangereux. C'est un pouvoir, quand tu arrives dans le lieu, ça peut monter dans tout ton corps. Et puis tu sens comme des manières dans ton corps, ça te tue à petit feu. Ok? Donc j'ai vu le chat, j'ai vu. Et à 5h du matin, quand j'ai fini ma prière, je suis arrivé là, et j'ai interpellé la fille pour dire, voici ce qui s'est passé. Or la fille là, elle faisait tomber les bûches à Abidjan, elle buvait le sang humain, elle faisait beaucoup de choses. Effectivement, on allait prendre tête du chat, et c'est comme ça qu'on a dit. C'est pour ça que je vous dis, notre ministère, c'est beaucoup de vigilance. Et puis, il faut avoir le discernement. C'est pour ça que je n'ai pas marché, les gens ne sont pas spirituels. Parce qu'on dit un homme spirituel, un homme d'esprit, on sait d'où il vient, on ne sait pas où il s'en va. Mets-toi comme ça. Mm-hmm. Voilà, mets-toi comme ça. Là, tu vois mon visage. Comme les gens suivent le message. Vous savez, est-ce que vous avez compris le message? Ça dit, tu pars de quelque part. Mais comment tu vas, où tu vas partir là? Ce n'est plus toi. C'est ça la Bible dit qu'un homme de l'esprit, on sait d'où il vient, mais on ne sait pas où il s'en va. Où il part après. Lui-même ne maîtrise pas. Il sait qu'il est quitté Abidjan à Divo. Mais ce qu'il fera ici, c'est Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Si je ne faisais pas ce programme, j'étais moi-même mort. Parce que je suis lié par une alliance. J'allais venir dans la salle, crier, puis retourner. C'est pour ça que je suis resté. Sinon, au Oklahoma, j'allais découvrir Oklahoma, c'est joli. Je suis là, Oklahoma, c'est joli. C'est un état. Je veux découvrir, ça fait partie de mon palmarès. Mais non, je suis lié à une obéissance à Dieu. Vous comprenez? Je suis pénible, gloire à Dieu qu'il soit là. Et puis on aura l'occasion, eux et moi, d'échanger sur beaucoup de choses. Et je pense qu'on s'entendra sur beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Je suis très heureux que vous soyez là, que Dieu bénisse. Amen. Les Canadiens soient bénis. Il y a des personnes qui sont venues de d'autres états. Hein? Boston. Et Dieu te bénisse. Kansas. Je suis content de te voir. Vous dites quoi? Kansas. C'est où ça? Kansas. C'est au nord, c'est au nord là-bas. Moi je suis content de vous voir. Je vous Je pense qu'on n'est pas fâché. Vous voulez fâché contre mon patron. Celui qui me jette comme ça, il me jette ici, il me jette là. Je suis là, moi, mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, le gars, il est bizarre comme ça. Souvent, vous me voyez bizarre, mais c'est lui qui me rend bizarre. Lui, il me rend bizarre, mais on est dedans. Il sait pourquoi.
Voyez souvent ce qu'il révèle, c'est bon pour moi, ce qu'il cache, ça l'appartient du seul. Comme je disais, il faut que demain je vienne chez toi. D'accord? Je dois prier chez toi. Voilà, cette histoire de non, on doit inviter le prophète, c'est vrai, parce qu'ils savent qu'on a des besoins à niveau, il faut forcément soutenir le ministère, minimum 1 000 $. C'est pas mauvais, ça m'a beaucoup servi. Mais les 3 jours-là, on n'est plus dedans. On a fini ça. On finit ça, et puis on va sélectionner les familles tout à l'heure. Toi, il faut que j'arrive tourner chez toi. Il faut que j'arrive tourner. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles je dois prier. Si je ne fais pas ça, c'est une injustice. C'est vrai. Tu n'as pas menti. Il a raison, moi aussi. Est-ce qu'on peut acclamer?